Bonjour, bonjour à tous, c'est la GPS, j'espère que tout va très bien. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, pour l'épisode 22. Et on commence déjà par un combat parce que je vais vous expliquer pourquoi dans le dernier épisode, je me suis mis un écran de Wii. Parce qu'en fait, à la fin de l'épisode, je me faisais attaquer par ce fameux monstre. Et je voulais pas que l'épisode dure trop. Bah, même s'il y a eu une ellipse, ça je m'en excuse, l'épisode était un peu court. D'ailleurs, celui-ci aussi est un peu court, mais c'est pour des raisons scénaristiques. Et on commence par un petit combat. J'espère que vous passez un bon mercredi. Voilà, je le dis comme ça. Donc, il n'a actuellement déjà plus de tête. C'est déjà plutôt pas mal. Donc, il nous restait à affronter le baron pour activer le quatrième. Interrupteur, je crois. Je crois que c'était un interrupteur qu'il fallait faire. Donc, après avoir combattu ce monstre, nous allons aller voir le baron. Mais il faut déjà qu'on puisse déjà le battre, hein. Mais généralement, le baron est un prend des mobs assez simples, hein. On l'a très bien vu dans l'épisode dernier. Dans l'épisode. Non, c'était il y a quelques épisodes. Quand on était à Montbidouille, pour ceux qui s'en souviennent. Donc voilà. C'est nickel crew. On va réparer le monstre parce que. Faut mieux réparer quand même. Même si on pourrait nous rester comme ça. Ça me ne dérangerait pas. Mais on va le faire. On va faire ça, c'est mieux quoi. Donc, on esquive les petites boules parce que c'est ça qui. Ces trucs m'infligent des dégâts. J'ai remarqué à la fin du dernier épisode. Et on va combattre un autre monstre. Un autre monstre. Donc. Ah, il a quand même beaucoup d'énergie, ce Sauride. C'est ça? C'est ça, c'est le monstre, il s'appelle Sauride. Il ressemble à un martien, et oui. Donc, un petit balayage. Voilà, il n'a carrément plus de bras. De jambes, veut dire. Il n'a plus de jambes. Coup de boule. Mais si, dit qu'il a beaucoup d'énergie, il dit aussi qu'il n'a pas forcément beaucoup d'énergie de son torse. J'en sais rien du tout, mais je dis ça au pif, voilà. Donc, coup de boule. Voilà. Normalement, au prochain coup, sa tête devrait exploser. Non, parce qu'il a esquivé, il a esquivé. Cet enfoiré, il a esquivé. Et moi, j'ai encore esquivé, oui. C'était la revanche de l'esquive. Coup de boule. Et oui. Un petit coup de boule, nickel chrome. Un autre coup de boule, peut-être que ça va le tuer, peut-être. Et oui, ça l'a tué. Ça l'a tué, nickel chrome. Je suis content de mon robot, pour une fois. Donc, la réparation est importante dans ce jeu. Donc, nickel chrome. Revenons. Non, pas par là, pas par là du tout, il y a un monstre. Faisons le tour, voilà. Le tour, c'est nickel chrome. Le baron. Laisse-moi rire. C'est impayable. Mon monstre écrasera votre révolution. Ouais. Comme d'habitude, hein. Les méchants, ils font toujours un blabla inutile pour se faire détruire. Je ne comprends jamais rien. Et oui, bah c'est comme ça, hein. C'est la vie. C'est la vie.
Bon. On va faire un petit coup de boule. Ouais, le monstre, il va pas durer longtemps. Il va pas durer longtemps, le monstre. Hein. Enfin, même pas du tout durer longtemps. Au prochain, il devrait être mort. Au prochain, il devrait être mort. Moi, je le dis. Au prochain, il est mort. Au prochain, il est mort. Moi, je lui dis. Voilà. Et là, là, tu meurs. Et oui, tu meurs. Ben, ah non, tu meurs pas. Son torse n'est pas mort. Son torse n'est pas mort, donc... Ce n'est pas grave, hein. Ce n'est pas grave. On fait durer le plaisir. Hein. On fait durer le plaisir. Hein. Ah oui. J'essaie de trouver une excuse. Nickel Chrome. Il est mort. Ben, c'était très simple, hein. Mais il faut vraiment que j'augmente mes bras. Quand on retournera au château, quand on y retournera, et scénaristiquement parlant, excusez-moi, je tourne 3 épisodes à la suite, je commence à fatiguer. Et donc, bah, je ferai mes bras en off, et je vous retrouverai avec un monstre puissant. Voilà. La réparation. Non, non, on n'a pas eu un coup de chance. C'est ton robot qui a été nul, mec. Donc, écrasé. Nickel Chrome. Fais-moi ton rapport au commandant Manton. Donc, bah, on y va. On y va, on y va. Pas envie de battre un petit monstre. Je n'ai pas envie de battre un monstre cette fois-ci. Je veux que je sois libre. Et oui, c'est comme ça. Allons parler au commandant Manton. Donc, passons par là. Nickel Chrome. Oups, non, pas par là. Si, si, par là. Le monstre est parti. Le monstre il est parti, nickel. Chanterons en ton honneur autour du feu de camp. On peut maintenant accéder librement au débris bric-à-brac. La révolution peut commencer. D'accord, pourquoi pas. Hein. Ingrédients reçus. Ton rang s'est amélioré. Quête terminée, ouais, pourquoi pas. Parle au commando Mountain au débris bric-à-brac. Ben, on va parler. Hein. Envoyé en mission il y a bien longtemps, et je suis des puissantes nouvelles d'eux. Accepterais-tu d'aller les chercher? S'il te plaît, retrouve-les pour ton commandant des bien-aimés. Tu devrais aller voir dans l'incinérateur. Prends l'ascenseur pour y accéder. Ok, bah on va y accéder. On va sauver tes androbots. On va aller à l'incinérateur. Donc. On descend, on descend. Non, ce n'est pas par là. Ce n'est pas par là. Je pense qu'il disait l'autre ascenseur. Donc l'autre ascenseur, ça devait être bah, celui en face de nous là. Donc je pense que c'est celui-là. Matraqueur, d'accord. Drôle de nom quand même. Très 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 drôle de nom. Coup de boule. Il fait mal celui-là. Il fait mal. Bon, il fait mal, mais moi, je fais quand même encore plus mal que lui. Bon, bien sûr, mes bras ils tiennent pas longtemps, mais c'est comme ça. Hein. C'est la vie. Faut vraiment que je les change. Hein. Je le ferai. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Je le ferai avant le boss de ce monde, mais je le ferai. Son torse bientôt mort. Hein. C'est bien, tu as raté. On recharge. Il a cru qu'on allait attaquer. Heureusement. Et tu es mort. Il est mort, il est mort.
Il est mort. Paix à son âme. Je ne compatis pas du tout. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, réparation. Toujours le tralala. Donc, avançons dans l'ascenseur. Aide-nous, frère révolutionnaire! Arrête l'incinérateur! Utilise les interrupteurs pour passer de l'autre côté du ok, bon, les androbots, ils sont un peu tarés. Voilà. Sur ce, c'est ici que l'épisode va se terminer. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour l'épisode 23 pour éteindre l'incinérateur. Allez, bye bye.